On évoque à présent dans ce journal l'actualité littéraire. Et si vous aimez les vieux contes fantastiques et les classiques revisités, vous serez forcément séduit par cette bande dessinée signée par trois auteurs lillois et parue aux éditions Ankama. The Dark Blanche-Neige s'inspire librement de la version originale des frères Grimm, plus dure et plus noire que celle de Walt Disney. Max Lermonnier, Lucky et Dem ont travaillé sur ce projet en voulant retranscrire une histoire connue sous une forme plus contemporaine. Leur Blanche-Neige est donc plus graphique, plus sombre et rappelle le style fantastique de certains contes pour adultes. Les trois BDistes étaient en dédicace hier au Furet du Nord et c'est là que Mathilde Lacroix les a rencontrés. La présentation de cette Blanche-Neige 2012, une édition forcément un peu spéciale, comme nous le présente donc l'auteur de la BD. Très très beau, le graphisme est très beau, le dessin est très dynamique. En plus, il y a le dessin bien sûr, mais j'ai aussi adoré l'histoire. Il y a de la magie, mais c'est intelligent. Il y a tous les personnages classiques de Blanche-Neige, enfin du dessin animé, je veux dire, sont là, mais sous une autre forme. Il y a de l'heroic fantasy, donc c'est vraiment très 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 bien.